Alors, bonsoir à tous, bienvenue à ce quatrième et dernier séminaire sur environnement accessible et société inclusive. Je me présente d'abord, je suis Marcella Sartarelli, je suis italienne, mais je vis à Marseille depuis 3 ans. Je suis une institutrice retraitée. Et maintenant, je vous parle de ma chambre. Derrière moi, il y a une armoire blanche et une plante. Et je suis habillée avec une veste bleue, avec une écharpe quadrillée en plusieurs couleurs. À côté de moi, il y a Marie-Élisabeth qui nous prêtera sa voix tout à l'heure pour pouvoir entendre aussi les films, les documentaires qui sont dans leur langue originelle, c'est-à-dire en italien ou en anglais. Alors, les programmes donc, d'aujourd'hui concernent un peu le handicap mental. Et pour résumer ce qu'on a fait précédemment, donc on avait commencé pour entrer dans cette idée de la limite qui nous concerne tous, plus ou moins, et qui se transforme en handicap quand la personne qui est porteuse d'une difficulté, d'une limite accentuée, trouve des obstacles qui ne sont pas surmontables. Et donc, le problème est d'éliminer ces obstacles. C'est cela qui peut rendre notre société accessible, c'est-à-dire accessible à tous, en éliminant l'obstacle. Après, nous avons parlé aussi un peu de la mobilité, dans le deuxième webinaire, et après aussi de la comment rendre tous les milieux culturels accessibles à tous, donc l'école, les musées, et aussi tout ce qui concerne la communication. Et voilà que nous allons donc parler du handicap mental et pour voir vraiment comment faire afin que la société soit accueillante pour tous. Et quels moyens nous y utiliser pour que cela puisse se produire. Mais avant de commencer notre programme, donc, qui aujourd'hui va montrer 4 documentaires et 4 témoignages, et après suivi par les dialogues, je voudrais faire une précision. Parce qu'il y a juste quelques jours, un ami m'a posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre projet ? Et parce qu'il faut dire qu'en France, quand même, on fait beaucoup de choses. C'est vrai que par rapport à d'autres pays, je peux les témoigner, qu'en France, il y a des lois, il y a des associations, il y a des institutions qui s'occupent en fait de la situation et de ceux qui sont porteurs d'handicap. Mais ici, la nouveauté est vraiment l'inclusion, c'est-à-dire de créer une société, donc des villes, là où nous vivons tous les jours, qui sont vraiment adaptées à tous. Parce que c'est vrai qu'il y a bien d'associations, d'institutions, de lieux, mais le risque est qu'un lieu spécialisé, disons, pour accueillir des personnes, par exemple, qui ont un problème de vue ou bien un problème de mobilité, bon, tout cela risque de créer comme des milieux fermé, c'est-à-dire il y a toujours les risques de relier, de reléguer ces personnes un peu à part, alors que ce que nous voulons par ces projets est que n'importe quel lieu soit vraiment pour tous. Comme on l'a vu dans le dernier webinaire, il y avait l'expérience d'une école, et cette école est une école pour tous, mais après c'est équipé aussi pour faciliter des étudiants qui entrent dans cette école, des étudiants justement qui ont des problèmes de mobilité ou de vue, ou de oui. Donc, c'est une école vraiment pour tous, qui porteurs d'handicap ou des personnes qui n'ont pas d'handicap. C'est ça un peu la nouveauté de notre projet. Et ben, voilà, je pense donc que nous pouvons maintenant passer au programme d'aujourd'hui. Et nous commençons par un premier documentaire. Là, il s'agit d'une expérience qui est vécue en Italie. Et donc, il y a Mario Sperandini qui, depuis 40 ans, s'occupe justement de l'inclusion pour toute personne porteuse d'handicap, en particulier mental.
Et finalement, elle est devenue aussi un peu le président aussi d'une association qui a été vraiment, qui a commencé en Italie il y a 60 ans, quand vraiment à l'époque, il n'existait pratiquement encore rien pour comprendre un peu comment accueillir dans notre société les personnes qui ont un handicap mental. Alors, voilà, nous pouvons maintenant écouter cette expérience et Marie-Élisabeth fera la lecture en français. Voilà, la régie a pour mandare in onda. Merci. Mario Sperandini nous parle depuis la séparatrice qui occupait pendant toute une vie des droits et des problèmes des personnes qui ont des handicaps mentaux. Il est très engagé, même en poste de directeur dans une association bien connue en Italie, ANFAS, Association nationale des familles et personnes ayant une déficience intellectuelle et des troubles du développement neurologique. Mario, peux-tu nous parler brièvement de toi et comment étais-tu impliqué dans ce domaine? Je suis, comme tu l'as dit, Mario Sperandini, père de deux enfants, Michela, l'aîné, et Massimiliano, le cadet. J'ai rencontré l'association ANFAS quand Michela est née en 1972. Cette association venait d'être fondée dans notre ville. ANFAS avait commencé à Rome en 1958 à l'initiative d'une maman, une Allemande, mariée à un ingénieur italien de l'aéronautique. Il vivait à Paris avec quatre enfants. Le dernier, Paolo, était né avec une déficience intellectuelle sévère. La famille était retournée à Rome en 1958. Grande ville, pour les personnes avec une déficience intellectuelle, il n'y avait absolument rien. Ceux qui portaient un handicap mental étaient relégués dans des instituts ou dans des hôpitaux psychiatriques. C'était la situation culturelle de l'époque. Maria Menegotto ne lâche pas. Elle ne peut pas abandonner son enfant Paolo et contacte d'autres mamans à Rome qui sont dans la même situation. Ce sont des femmes. Dans cette histoire, les femmes ont une place très importante. Elle a donc rassemblé d'autres femmes et ont constitué l'association nationale ANFAS, reconnue par décret du président de la République. L'association s'est très vite développée et propagée dans tout le territoire national parce qu'elle répondait à une attente. La diffusion ne s'est pas faite de façon homogène, mais selon les opportunités, les possibilités, l'engagement des différentes familles. Le but principal des femmes de l'ANFAS est à la sauvegarde des droits des personnes porteuses de handicap, afin qu'elles ne soient pas exclues, recluses ou isolées chez elles, comme dans une sorte de lieu fermé, comme c'était le cas à ce moment-là. Ces femmes ne se sont jamais découragées. Je le répète, l'association a été constituée par un décret du président de la République. Ensuite, une diffusion sur le territoire national. Aujourd'hui, dans son ensemble, elle compte près de 200 associations locales. Chaque association locale est indépendante d'un point de vue de la gestion des activités et du patrimoine, mais sont reliées à l'ANFAS par l'idéal commun, en particulier la sauvegarde des droits des personnes handicapées. L'ANFAS nationale confie à chaque association locale
l'impasse sur la base d'un code éthique que nous avons établi et qui doit être respecté. À Macerata, c'est-à-dire dans ma ville, Anfas est né en 1967, à l'initiative d'un groupe de familles qui se sont réunies pour demander un lieu où développer tout ce qui peut donner du sens à nos enfants. Ensuite, l'administration provinciale a mis à la disposition une ancienne école. Après l'avoir remise en l'état, les premières activités, j'ai rencontré l'ANFAS en 1973. Michela est née en avril 72. Peu de temps après sa naissance, nous remarquons en Michela des difficultés sans avoir un diagnostic précis. Parce que ce n'était pas un syndrome clair comme celui de la trisomie 21. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais personne n'arrivait à l'identifier avec précision. Au début, l'activité d'Anfas à Macerata était menée par la bonne volonté des familles et des bénévoles. Par la suite, ont été embauchés les premières professionnelles, une psychomotricienne, une psychologue et une autre thérapeute. Ce qui a permis à l'ANFAS Macerata dans les années 70 d'être reconnu par le ministère de la Santé ainsi que par les régions. Ainsi, ont pu commencer certaines activités de rééducation. Avec Michela et ma femme Giovanna, je me suis approchée de cette association où il y avait une orthophoniste qui nous avait été conseillée. C'est ainsi que j'ai été remarquée par certaines familles. Maintenant, je suis à la retraite, mais à ce moment-là, je travaillais au service de la santé mentale. On m'a demandé d'entrer dans le conseil de l'ANFAS. Et depuis lors, je m'occupe de l'association dans l'ensemble du territoire. En 1997, j'ai été élue à l'échelle nationale. Mon chemin d'engagement part donc de la naissance de ma fille Michela, qui au fil du temps avait été diagnostiquée porteuse du syndrome de Prader-Willi. Toi qui as presque 50 ans d'engagement, tu pourrais nous parler pendant des heures de l'évolution sociale et culturelle que tu as vue, comme tu l'as mentionné. Toi aussi, avec ta famille et tes collaborateurs, tu étais parmi les protagonistes. Si l'on devait résumer les principales questions sur la table, les barrières qui entravent toujours la pleine inclusion, les actions que chacun devrait promouvoir sur son propre territoire. Bref, les priorités, que nous dirais-tu? À mon avis, les priorités sont celles-ci. Le document de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. C'est ce document fondamental. Que chaque administration et toute la citoyenneté devraient connaître et appliquer. L'accueil, l'inclusion implique une croissance de tout le corps social, aussi d'un point de vue culturel. Notre slogan est « Rien pour nous, sans nous » qui exprime notre but. ANFAS travaille afin qu'on oublie l'idée que comme il n'y a pas moyen de nécessité, et on s'arrête là. Souvent, on part uniquement du point de vue comptable. S'il y a des fonds, on agit. S'il n'y en a pas, on ne fait rien. Mais s'il s'agit d'un droit,
Il faut agir. Voilà l'élément où s'engager à ce moment-là particulier. Nous ne voulons pas que ça impose la notion de déchet. C'est ce qu'a fait l'ANFAS en ce moment, au national et local. Sta facendo in questo momento a livello nazionale, a livello locale. Et partout, il y a une relation entre personnes, institutions et relations générales. C'est très clair ce que tu dis. Une dernière question pour conclure. Il me semble que d'après ton expérience personnelle et la vôtre à Macerata, comme dans d'autres sections, l'engagement sur les questions de handicap, qui semble un engagement spécifique pour une petite tranche de la population, a effectivement un impact positif sur toute la communauté, sur la ville, et produit des collectivités plus cohésives, vivables et durables. Penses-tu que cela est vrai? D'après ton expérience à Macerata, tu constatais que la ville grandit grâce à cet engagement? Il n'y a aucun doute dans le sens que ANFAS Macerata. Du moins, c'est mon sentiment, notre sentiment, que j'ai également essayé d'apporter au conseil d'administration et dans la relation avec les collaborateurs. Je veux dire que l'ANFAS n'est pas la contrepartie de quelqu'un. C'est une association qui, chaque jour, veut montrer par ses actions que le handicap peut avoir une grande valeur si le corps social, dans son ensemble, sait reconnaître cette valeur. Nous nous sommes engagés à établir des relations innovatrices avec les institutions et les établissements. Par exemple, nous avons demandé au conseil municipal qu'une motion soit présentée afin que le document des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées soit pris comme paradigme de gestion. Cela a été accepté. Et donc, les services sociaux, quand ils doivent ouvrir un service ou faire quelque chose, prennent comme premier interlocuteur ANFAS, qui a le droit de s'asseoir à la table pour aider à déterminer ce qu'il y a de mieux à faire selon le cas. Et nous nous rendons disponibles pour agir avec les institutions. Nous ne sommes donc pas une contrepartie, mais une partie pour guérir ce corps social. D'ailleurs, le but de l'ANFAS est aussi celui de porter ce message. Et celui d'être cette graine qui fait pousser une culture de l'hospitalité. Nous avons mené beaucoup de batailles au cours de ces années, en y mettant toute la passion et les efforts, du fait d'être aussi des parents, des membres de la famille. Nous avons parfois des erreurs incroyables, mais qui est-ce qui ne fait pas d'erreur? La ligne, le nord, la direction à prendre, c'est d'avoir la communauté à cœur, la collectivité et non seulement les spécificités du handicap. C'est l'engagement que chaque jour nous essayons de mettre dans notre être. Merci Mario pour ton témoignage. Merci, merci à toi et bonne journée. Parce que quand... Ah oui. Voilà. Un grand merci vraiment à Mario Sperandini, un véritable pionnier. Et aussi merci à Renzo qui a conduit cette interview. Et maintenant, c'est toujours Renzo Andric, qui est aussi les premiers promoteurs de ces programmes, de ces projets.
va conduire une autre interview. Cette fois, c'est quelque chose qui arrive de la Belgique. Et donc, Renzo demande à un pédagogiste, Herman Wouters, un peu quelle est son expérience et aussi de nous expliquer en particulier les langages non verbaux. Parce que souvent, les personnes qui ont un handicap ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'exprimer par la parole. Et donc, il y a d'autres moyens pour entrer en communication avec eux. Voilà, la regia peut nous envoyer, alors la regia pour mandarci un nouveau filmato. Salut Herman, merci d'être avec nous. Herman Wouters est belge, il a une formation en éducation spécialisée et a travaillé pendant la majeure partie de sa carrière professionnelle avec des personnes présentant une déficience intellectuelle sévère et profonde. Herman, pourriez-vous nous dire brièvement quelque chose sur vous et votre travail? Pour le moment, je suis à la retraite. J'ai commencé ma carrière comme aide-soignant dans une unité de personnes handicapées mentales. Et puis, j'ai travaillé pendant environ 40 ans en tant que formateur en éducation spécialisée dans un établissement pour personnes atteintes d'une déficience intellectuelle profonde et sévère. Là, j'ai coaché, supervisé et soutenu les soignants dans leurs unités composées, chacune d'environ 10 personnes handicapées mentales. Au cours des 12 dernières années, j'ai également reçu une bourse pour faire des travaux théoriques et pratiques sur les problèmes de comportement. Et j'ai donc assisté, réalisé et organisé de nombreuses conférences et leçons partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Eh bien, d'après votre expérience, quels sont les points clés pour entrer en relation avec une personne ayant de profondes limitations intellectuelles pour établir une bonne communication réciproque? Bien que je puisse imaginer qu'aucune personne n'est égale à une autre, il peut y avoir quelques principes de base que nous devons apprendre. La plupart des personnes handicapées mentales avec qui j'ai travaillé ne parlent pas. Ils n'ont pas de langage verbal. La communication non verbale avec eux est donc très importante. Et en tant qu'aidant, vous devez vous concentrer sur ce niveau de communication. Cela signifie que dans des situations réelles, vous devez faire une très bonne observation du langage non verbal. Regardez les gestes, les mouvements qui commencent, les sons et la variation des sons, des postures du corps. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez faire l'interprétation de ce que vous voyez. Pendant que vous observez les mouvements d'une personne, vous devez interpréter ce qui se passe à l'intérieur de la personne à ce moment-là, ses sensations, émotions, motivations. Coopère-t-il ou exprime-t-il plus de résistance, une résistance forte, une résistance modérée? Si vous créez un dialogue non verbal, un peu comme une mère avec son bébé, vous créez aussi la réciprocité et un moment important, comme un moment d'inclusion sociale. Important pour nous, mais aussi pour les personnes ayant une déficience intellectuelle profonde. C'est très intéressant. Pourrez-vous vous faire juste un exemple? Oui, prenons l'exemple d'un dialogue avec Timmy. C'est un adulte avec une déficience intellectuelle profonde et un niveau de développement mental d'environ 6 mois. Je vous montre un bref clip vidéo et je dois l'expliquer un peu avant. La scène, vous verrez que le musicothérapeute chante d'abord. Vous pourriez dire comme une première voix. Et Tim se joint à l'activité avec ses mouvements. Un instant, le thérapeute s'arrête. Il y a un moment de silence. Tim se met à faire des sons, ce qui est pour lui assez exceptionnel.
comme s'il voulait dire « Continuez, s'il vous plaît, c'était agréable, merci de continuer. » Et puis le thérapeute rejoint l'activité de Timmy. Vous pourriez dire un peu comme la deuxième voix. Elle a changé de rôle. D'abord, c'était elle qui menait. Mais maintenant, elle rejoint l'activité de Timmy. C'est un très bon moment de réciprocité qui crée un sentiment de camaraderie. Mais je propose de regarder la vidéo. Suivre en faisant quelques mouvements. Maintenant, il fait du bruit, comme demander de continuer à chanter. Maintenant, c'est Tommy qui dirige les chansons. Et le thérapeute suit. Là, il y a un problème technique, mais on voit comment la thérapeute continue de jouer les tam-tams et Timmy qui continue de chanter à sa façon, non, de mettre des sons. Et donc, c'est vraiment un chant à deux. Mais c'est bien Timmy qui donne l'élan, on pourrait dire. C'est lui qui conduit. Voilà. Voilà, et enfin, vous avez vu Timmy qui essaye aussi de faire du bruit sur les tam-tams. Merci, Herman. C'est très, très impressionnant. Alors, juste pour finir, que pensez-vous que nous pouvons et devrions faire pour rendre nos villes, nos communautés pleinement inclusives? Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle profonde, eh bien, l'une des choses que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup à faire partout dans le monde. Accepter les personnes ayant une déficience intellectuelle profonde en tant qu'êtres humains avec une vie pleine de sens, même s'ils ont un immense besoin d'être soignés, même s'ils ne seront jamais indépendants. Ils ont besoin de soignants capables de communiquer de manière non verbale et capable d'écouter leurs chuchotements. Comme je l'ai déjà dit, des moments de vraie camaraderie sont un besoin social pour tout le monde, pour nous, mais aussi pour les personnes handicapées mentales. Merci, merci Herman pour votre discours très inspirant. Mais ce n'est pas la bonne traduction. Voilà, c'était magnifique, vraiment. Cette réciprocité m'a profondément touchée. Voilà. Et peut-être nous aurons des questions après. Alors, mais nous pouvons continuer avec le troisième témoignage. Cette fois, il s'agit d'une expérience dans le monde du travail, vraiment de l'inclusion des jeunes handicapés et mentaux dans le travail. Et c'est une expérience très, très vivante. Et d'abord, vous verrez une partie d'une transmission qui est passée à la télévision italienne. Et après, cela continue avec une interview à Jacopo. C'est lui, le jeune homme, qui a commencé cette expérience vraiment magnifique. Voilà, nous pouvons continuer alors avec le troisième documentaire. Thank you.
C'est dommage que vous ne puissiez pas, parce qu'ils sont, ils ont le parfum de la bonté. Le mérite est tout d'un ingrédient spécial. Ce sont eux. Les biscuits les plus doux. Frolla est une biscuiterie dans la province d'Ancône. Ils travaillent 10 jeunes spéciaux. Maintenant, Frolla est devenu aussi un bar. Et c'est là que je rencontre Elisa et Marco. Certaines personnes disent que nous sommes des personnes inutiles. Au contraire, nous sommes utiles pour tout. J'ai toujours été discriminée par mes collègues. Mais peu m'importe, je me suis toujours battue contre tout et tout le monde. Avant de venir ici, j'en avais parlé avec ma mère. Où vais-je travailler? Au final, c'est ici. Et ici, tu gagnes de l'argent, n'est-ce pas? C'est un travail à toute fin utile. Oui, l'argent est nécessaire. Ensuite, je le donne à maman. C'est une chose fondamentale. Et cela me rend très heureuse parce que pour papa, pour maman, et j'ai même un chien. Est-ce que vous écoutez? Je vois plus les... Alors, mais elle lui dit, ne danse pas avec les biscuits. Mais non, bien sûr que je ne danse pas. Je fais du travail sérieux ici. Dans ce laboratoire, après un très grave accident de la route, il a perdu l'usage de ses jambes et en partie celui de ses mains. Nous sommes immédiatement entrés en symbiose, précisément. Quelles que soient mes lacunes, elles sont compensées par les autres. Où mes jambes ne fonctionnent pas, je retrouve de bonnes jambes, de bonnes mains en eux. Quelle opportunité représente Frolla pour vous? C'est l'opportunité de rentrer à nouveau dans le monde du travail. Cela me donne l'opportunité de travailler avec le sourire. Frolla est plus qu'un lieu de travail, c'est une vraie famille. Aimez-vous travailler avec Marco? Beaucoup. Ce que j'aime, c'est qu'on s'entend bien. C'est important. Il a raison. Je t'aime. Nous sommes une grande famille, car dans un lieu de travail, il est important d'établir l'amitié. C'est essentiel, car sans amitié et sans amour, sans rien, de quel travail faire? C'est juste pour dire, je suis là. Le père de cette famille est Jacopo, un pâtissier de 26 ans, qui a imaginé tout le projet. Pour nous, c'est un frère. Tout ce qu'il fait pour nous, personne ne le ferait jamais. Et en fait, il est si spécial, et puis nous l'aimons tous très très fort. Nous avons un feu à l'intérieur de nous. Grâce à Jacopo, ça grandit. Quelle belle histoire. Et Jacopo Corona est là, à la télévision. Maintenant, Jacopo est au stade de la télévision. Nous voulons d'abord remercier TV2000 pour ce beau service diffusé il y a quelque temps sur ces chaînes. Jacopo, merci d'être ici avec nous. Les images nous ont montré une très belle histoire, comme l'a dit le journaliste, et très intéressante. Voudriez-vous nous raconter brièvement comment cela a commencé? Bonjour à tous d'abord. C'est toujours un plaisir de me mettre en relation avec vous. Nous avons commencé il y a 3 ans et demi. En effet, Frolla est né comme atelier de production le 12 mai 2018. L'histoire commence par l'amitié entre moi et Gianluca Di Lorenzo, l'autre partenaire fondateur avec moi de cette réalité. Elle est née d'abord du besoin de créer du travail. Et surtout pour nous insérer dans le contexte social du monde en faisant une fusion entre le monde du travail, dans ce cas
celui de la pâtisserie, qui est le domaine dans lequel je travaille, et le monde social, qui est le domaine dont traite Gian Luca. Nous avons fait une sorte de fusion, à la fois comme amitié, mais aussi comme compétence. Voilà d'où elle est sortie cette idée d'une production de biscuits qui crée l'inclusion. Mais quand il s'agit d'insérer une personne handicapée dans une profession, et surtout quand il s'agit de déficience intellectuelle, parfois il y a le risque d'un malentendu, comme pour dire « c'est de l'assistance », où la personne insérée n'est pas vraiment vue comme une ressource commerciale, mais seulement en tant que personne à aider, et une manière dont l'entreprise s'acquitte de son devoir de responsabilité sociale. Dans votre entreprise, il me semble que vous allez bien au-delà de cette vision, n'est-ce pas? C'est vrai, parce que pour nous, l'idée centrale du projet n'est pas le monde du handicap. L'idée initiale est celle de vendre un produit de qualité. Nous avons beaucoup travaillé sur la qualité des produits parce que nous croyons que la vraie valeur spécifique de Frola est sa qualité. En effet, nos biscuits, notre produit principal, auquel avec le temps nous avons ajouté d'autres produits, sont faits selon des recettes avec des matières premières de la plus haute qualité. C'est parce que nous ne voulons pas et nous ne voulons toujours pas tomber dans le piège de dépendre d'un sentiment de peine. Nous ne voulons pas, à cause de l'aspect social. Nous devons mettre en valeur les compétences de nos jeunes employés, les jeunes portant des handicaps certainement visibles, mais notre vision est que nous ne devons être capables de les rendre autonomes selon un concept d'inclusion. La véritable inclusion ne crée pas une situation dans laquelle les gens viennent pour faire un don. Nous n'acceptons pas. Nous voulons vendre nos produits parce que nous sommes capables de faire un bon travail et puis nous devons arriver à communiquer notre savoir-faire de sorte que ce qui est vu comme un déficit devienne une valeur ajoutée. Sur la base de votre expérience, pouvez-vous nous dire quels sont les points que vous considérez fondamentaux pour ceux qui, comme vous, veulent faire une vraie inclusion au travail? Que faut-il faire et que faut-il ne pas faire? Nous nous basons essentiellement sur l'idée du partage. Pour moi, partager, c'est une valeur fondamentale, dans le sens que cette idée entraîne une ouverture vers la société. Ici, nous essayons de partager notre choix de vie, car au fond, c'est un choix de vie, et le rendre normal. Plusieurs fois, les gens nous disent bravo pour ce que nous faisons pour nos employés, mais ce n'est pas vrai que nous sommes bravos, parce que nous aimons vivre ainsi, et c'est quelque chose qui nous gratifie. Et puis, nous avons une idée importante du sens d'ouverture. Nous disons qu'à Frola, nous n'avons pas les portes ouvertes, pas du tout. Mais c'est nous qui devons être les premiers à accueillir. Par conséquent, ceux qui entrent travailler ici doivent trouver une ambiance libre dans laquelle ils peuvent, en toute sécurité, exprimer leurs idées et leur façon de faire pratiquement. Ils peuvent dire et porter de l'avant ce qu'ils pensent. Cela est une valeur au sein d'une coopérative qui est au fait une communauté ou plutôt une famille. Voilà, magnifique ça aussi. Et il y a vraiment un mot clé, je crois, dans ce que nous venons de voir et d'écouter, c'est le mot valeur. C'est vraiment une façon différente de voir le travail. Et ben, nous pouvons passer au quatrième témoignage. Cette fois, le témoignage vient directement de la France, de Lyon, où Bénédicte Draillard nous raconte un peu une petite aventure, on peut dire, qui lui est arrivée, parce qu'en partant de la rencontre d'une personne, elle a réussi à faire quelque chose de vraiment intéressant et bien concret. Voilà, alors on passe à la quatrième vidéo. Bonjour.
Bonjour, je suis Bénédicte Draillard. J'habite une ville magnifique, Lyon, au sud-est de la France. C'est une métropole avec 1 400 000 habitants et j'ai été nouvellement élue dans le Vieux Lyon, le quartier historique, adjointe aux personnes âgées. Durant la pandémie, je me suis vraiment posé la question de comment être proche de ces personnes dont beaucoup ne souhaitaient plus sortir. Donc, avec d'autres membres, je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire une exposition sur les grilles du jardin de la mairie avec des grands panneaux. On a fait une exposition pour la journée de la femme sur les grandes femmes du 5e arrondissement de Lyon. On appelait ça le matrimoine. Et cette exposition qui a été mise sur les grilles de la mairie a fait que les personnes pouvaient sortir à leur rythme, venir et regarder ces grands panneaux historiques. Ça a eu beaucoup de succès. Et un jour, je faisais visiter cette exposition à des personnes âgées. Et il y avait un monsieur qui était parmi nous, qui manifestement était un peu déconnecté, c'est-à-dire qu'il regardait peu les panneaux et il se baladait, il revenait. Et puis à la fin de l'exposition, son épouse m'a dit un grand merci parce que vous avez été extrêmement patiente avec mon mari qui a la maladie d'Alzheimer. Alors je lui dis, mais c'est tout à fait normal et cette exposition était faite aussi pour lui. Et cette dame me dit, vous savez, j'ai lu dernièrement dans Le Monde, le journal Le Monde, que pour les personnes qui avaient Alzheimer, jouer au ping-pong était quelque chose qui pouvait vraiment développer leurs réflexes. Alors, elle m'a dit, pourquoi ne pas avoir dans le jardin de la mairie une table de ping-pong qui pourrait être aussi un lieu, bien sûr, intergénérationnel, car on peut très bien jouer au ping-pong de toutes les générations. C'est une idée que je n'avais absolument pas eue parce que je n'étais pas du tout spécialisée sur ces questions-là. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai contacté France Alzheimer, qui est une association pour les personnes Alzheimer, qui ont constitué avec moi un dossier pour demander qu'il y ait éventuellement des tables de ping-pong dans les mairies. Mais vous savez, moi, je fais partie juste du 5e arrondissement de Lyon, et donc ces demandes de subvention, il fallait les faire au niveau de la mairie centrale. Et nous avons constitué ensemble un dossier. Et effectivement, actuellement, nous savons qu'il va y avoir des tables de ping-pong dans tous les parcs des mairies de Lyon grâce à cette écoute qui a eu lieu avec cette personne, cette épouse d'une personne qui avait Alzheimer. Et je m'en réjouis parce que comme je pense qu'il est très important d'être à l'écoute des personnes. Alors, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, de se renseigner et éventuellement de mettre des tables de ping-pong dans les parcs de vos villes. Au revoir. Et si un jour vous venez à Lyon, eh bien, vous êtes bien sûr les bienvenus. Voilà, et nous sommes presque à la conclusion, et non seulement de ces séminaires d'aujourd'hui, mais de l'ensemble de cette formation, brève, mais très importante. Et donc, mais c'est d'ailleurs un premier pas, parce que maintenant, nous allons aller de l'avant. Mais avant de faire les conclusions, ben, nous avons quelques minutes, pas beaucoup, mais nous avons un peu de temps pour des questions, pour des propositions. Enfin, vous êtes libre de prendre la parole. Nous sommes un tout petit nombre ce soir qui se sont reliés par Zoom, mais tout ce que nous sommes en train de faire est enregistré et c'est visible, il est visible aperçu sur YouTube. Et nous avons constaté, en voyant ce qui s'est passé dans les séminaires passés, qu'il y a un nombre assez important de personnes qui, par contre, après, vont suivre selon les possibilités, selon le temps que chacun a. Ils ont voulu suivre ces cours de formation, parce qu'en effet, il s'agit d'un cours de formation. Voilà, alors je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Voilà. Alors, oui. Et sinon, on peut continuer. Enfin, d'abord, je voudrais remercier
Renzo Andrich qui est présent. Hein. Vraiment un grand merci, Renzo, pour tout ce que tu... on peut dire que tu as le courage de faire parce que vraiment, tu as lancé quelque chose en plus d'international. Hein. En effet, nous sommes ici les groupes de langues françaises, mais cette transmission est faite en 5 langues, et de façon aussi simple comme chacun peut le faire, mais c'est vraiment une belle aventure que nous avons vécue ensemble. Et je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, nous sommes bien contentes de te traduire. Hein. Siamo contente di tradurre, Renzo, se vuoi dirci qualche cosa, come vuoi. Come hai già detto, questo webinar chiude questo ciclo che è cominciato il 9 maggio, di 5 webinar. Voilà. Alors, ce webinar, ce séminaire termine le cycle des 5 webinaires qu'on a commencé dans les mois passés. In questi webinar abbiamo cercato di narrare il nostro sogno di un mondo senza barriere. Dans ce séminaire, nous avons essayé de raconter, d'exprimer notre rêve d'un monde sans barrières, sans obstacles. Un sogno che oggi non può più diventare, non può più restare un sogno. Abbiamo tutti gli strumenti giuridici, tecnici per rimuovere le barriere che esistono nei confronti delle persone con disabilità. Et aujourd'hui, ce rêve ne peut pas rester juste un rêve parce qu'en fait, nous avons toutes les possibilités, toutes les aides du point de vue technique, etc., pour vraiment éliminer ces obstacles qui sont là. Ci sono tante persone, tante organizzazioni nel mondo che stanno lavorando per questo obiettivo. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'institutions dans le monde entier qui travaillent dans ce but-là. Noi abbiamo voluto dare un piccolo contributo basato su esperienze di vita. Ce que nous avons voulu faire est donner notre contribution basée sur notre expérience de vie. Lo abbiamo voluto fare in una prospettiva ecologica in cui questi problemi non sono un problema sociale o sanitario, ma un problema di ecologia integrale. Et nous avons fait cela avec une vision dans l'ensemble d'une vision écologique. C'est pas vu d'un côté juste sanitaire, non, mais c'est vu dans cette idée d'écologie intégrale. Écologie intégrale vuol dire che vogliamo un pianeta sostenibile. Perché vogliamo che la temperatura scenda, che ricicliamo la plastica, ma vogliamo che la società non abbia diseguaglianze. Oui, bien sûr, nous voulons une planète qui puisse vivre, donc une planète libérée du plastique, nous voulons une planète... Pardon. Mais surtout, nous voulons une planète où habiter par des personnes qui ont des relations aussi plus justes. Et ci sembra che questa idea ecologica sia un pensiero davvero originale nel panorama delle iniziative in tema di disabilità. Et en effet, il semble que cette idée d'écologie, ces liens avec l'écologie, est quelque chose de plutôt original par rapport à la problématique du handicap. Abbiamo voluto raccogliere testimonianze da tutto il mondo perché abbiamo bisogno del contributo di diverse culture. Nous avons recueilli des témoignages du monde entier parce que nous avons besoin de ces témoignages différents selon les différentes cultures. Ecco, per concludere, diciamo che noi abbiamo voluto gettare un piccolo seme. Et en conclusion, on peut dire que nous avons juste jeté une petite semence, une petite graine. E questo materiale che abbiamo prodotto in questi webinar e che rimarrà sempre pubblico e disponibile su YouTube può essere usato come spunto per gruppi che vogliono discutere localmente questi argomenti. E le materiali che nous avons préparé, les matériels de formation, donc les
les webinaires, avec tous les témoignages, les documentaires sont toujours à la disposition sur YouTube et c'est quelque chose de public et tout le monde, tous ceux qui les désirent peuvent profiter de ce matériel pour passer cette formation à d'autres, à des groupes qui sont intéressés. Concludo ringraziando Marcella per aver dato questa disponibilità a moderare questi seminari e a Maria Elisabeth che l'ha aiutata. Allora Renzo, remercie Marcella e Maria Elisabeth per notre disponibilità, ma bien sûr c'est nous qui te remercions Renzo parce que tu nous as donné cette occasion d'entrer dans ces projets magnifiques. Et donc, et merci de tout ton engagement, de ta passion que tu mets là-dedans. Alors, Renzo, ti ho detto veramente che siamo noi a ringraziare te e anche per tutto l'impegno, la passione che metti in questo progetto. E grazie di averci prese dentro. Voilà. Merci encore. Merci à tout le monde. Moi, je voudrais dire bravo, un bravo, et on espère qu'il y aura une suite. Vorrei dire bravo, bravissimo perché è stato così bello e da un soffio molto grande, ma dobbiamo continuare. Oui, merci. Merci. Allora, Renzo, giustamente c'è il desiderio di continuare. No? Allora, sì. Penso che d'abord on merci a tutti. Sì. Merci. On se donne rendez-vous au mois de mai pour la semaine Monde Uni où on va encore, il y aura certainement quelque chose. Mais entre-temps, on reste reliés, on reste un peu connectés pour voir enfin comment agir parce que nous terminons aujourd'hui là, cette partie des formations, mais nous allons commencer, on verra comment, hein, la partie est agir. Voilà. Et alors, je crois que notre temps est terminé. Et alors, grand merci à chacun. Et voilà, restons reliés et nous allons découvrir ensemble les prochains pas à faire. Merci à tous. Joyeux Noël. Bon Noël. Merci, Renzo. À toi aussi, à toi, inquiété. Merci à tous. Au revoir à tout le monde. Et merci à toute l'équipe technique, des techniciens. Oui. Un grand merci. Oui. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Alla prossima.